chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Bienvenue sur ce plateau délocalisé de Chemin d'avenir. Je me trouve à Dubaï. Dubaï, où la compagnie nationale aérienne Ekair vient d'effectuer le tout premier vol direct Brazzaville-Dubaï. Ce vol symbolise la présence du Congo au Moyen-Orient. Le vol coïncide également avec le deuxième anniversaire de la compagnie. C'est l'occasion de faire un bilan d'étape avec la patronne de la compagnie, Madame Fatima Beina Moussa, qui nous attend à bord du Boeing 757. Voici donc le Boeing 757 baptisé Rivière Sangha, la toute dernière acquisition de la compagnie Ekair. Avant mon entretien avec Madame Beina Moussa, je vous propose de suivre avant tout le reportage intro de Miafuna Bungu. A tout à l'heure. La position géographique du Congo et ses nouvelles infrastructures aéroportuaires sont des atouts majeurs pour voir amener le pays à devenir le grand hub de la sous-région d'Afrique centrale. Dans ce contexte, le nouvel aéroport international de Mayamaya deviendrait donc une plateforme de correspondance qui permettrait à de milliers de passagers de transiter par Brazzaville avant d'aller vers d'autres destinations. Ekair, en tant que compagnie nationale, a un rôle crucial à jouer dans la constitution de ce hub. Conscient de la mission qui est la sienne, elle a saisi mercredi 5 février 2014 l'opportunité que lui offrait l'ouverture officielle du deuxième module de l'aérogare de Brazzaville pour organiser son vol inaugural à destination de Dubaï aux Émirats Arabes Unis sous le patronage du président de la République. Denis Sassou Nguesso, en train ici de remplir les formalités de voyage, consacrant la mise en exploitation de ce deuxième module, inaugurant par la même occasion le vol inaugural de la compagnie nationale Ekair à destination de Dubaï. Tout à l'heure avec le président Wade, il me disait que si Dakar est à 1 200 000 passagers l'an, Brazzaville est 1 100 000 et quelques, vous voyez qu'on se rapproche même de Dakar. On ne peut qu'être satisfait du travail qui a été fait ces derniers temps. Équatorial Congo Airlines a ainsi ouvert à sa clientèle les portes du Moyen-Orient.
Le vol inaugural de ce 5 février qui rentre désormais dans l'histoire de cette compagnie s'est effectué à bord de son Boeing 757 flambant neuf, dernier venu de sa flotte, d'une capacité de 16 places en classe affaires et de 132 places en classe éco. Nous sommes très heureux, donc au ministère des Transports, de participer à ce vol inaugural de la compagnie nationale Ecair de Brazzaville à Dubaï. Ceci montre le dynamisme de notre compagnie, la volonté de cette compagnie d'aller vers de nouveaux horizons. C'est la contribution à notre vocation de devenir un hub. Pour Brazzaville, c'est très important. Comme le ministre l'a dit tout à l'heure dans son discours, c'est la première fois qu'on fait une connexion hors de l'Afrique, à l'exception de l'Europe bien sûr, mais vers un autre continent. Et je pense que c'est un grand pas en avant pour le Congo. Parti de Brazzaville à 13h30 pour 7 heures de vol avec à son bord un peu plus d'une soixantaine de personnes, les passagers du vol inaugural ont eu le privilège de découvrir toutes les commodités et tout le niveau de confort qu'offre ce Boeing 757 qui va désormais opérer 3 vols hebdomadaires directs entre l'aéroport international de Mayamaya et l'aéroport international de Dubaï. J'ai toujours pitié des gens qui vont à Dubaï tout le temps parce que le voyage est tellement long en passant par Addis Abeba. Trop d'escales au fait, surtout avec les enfants, c'est pas facile. Donc le vol de Caire, un vol direct, Brazza-Dubaï, ça serait vraiment le meilleur vol pour tous les Congolais. Mais écoutez, je suis très émerveillé par la qualité du vol. La qualité de service à bord est irréprochable. Les mesures de sécurité sont très élevées. Ce que je peux dire, que c'est bien que Caire puisse aller à la conquête de l'espace aérien international. Arrivé à 0 heure en heure locale, 21 heures heure de Brazzaville, la délégation à bord du vol inaugural conduite par Gilbert Mokoki, ministre délégué à l'économie fluviale et aux voies navigables, a été accueillie à l'aéroport par le directeur général de l'aviation civile de Dubaï, M. Mohamed Ali. Image parfaite d'une communauté de vues entre les deux pays. La journée du jeudi 6 février a commencé par une conférence de presse devant un parterre de journalistes de la presse dubaïote, tout organe confondu. Les membres de la délégation ont dit tout l'intérêt qu'ils accordent aux échanges qui vont désormais s'établir entre les hommes d'affaires et les touristes du Moyen-Orient et ceux du continent africain. Nous voulons souhaiter que ce vol favorise un direct pour les hommes d'affaires et les investisseurs du Moyen-Orient en direction du Congo. Il va falloir rappeler qu'effectivement les compagnies aériennes exploitent les accords aériens signés entre les États. Donc au niveau des deux aviations civiles, des deux autorités d'aviation civile, il y a donc un accord aérien qui existe et sur la base de laquelle aujourd'hui, la compagnie Équatorial ne peut effectuer le vol sur Dubaï. We are available on these systems. Anybody can now start buying a Care ticket from Brazzaville to Dubai and vice versa. We are starting with 3 flights, but we have the intention to increase the number of frequencies if the market demands it. We're going to observe the market. We start with 3. But if it works well, we'll increase it to 4 and then 5 and maybe to be a daily route and 7 when things are going well. So we hope to increase it. Definitely, 3 is only a start. Dubaï, pôle émergent de l'espace mondial, remarquable par le développement de ses affaires et de son tourisme de luxe, 60 millions de passagers par an, est une destination très convoitée. Ecair vient apporter sa pierre à l'édifice pour faciliter les échanges avec une vision, celle de devenir la compagnie aérienne leader en Afrique centrale. Après la conférence de presse, les membres de la délégation ont poursuivi la journée avec les entretiens au plus haut niveau entre les deux délégations, congolaises et responsables des Émirats Arabes Unis, délégation conduite par la Direction générale de l'aviation civile des Émirats Arabes Unis.
avant le dîner offert à l'occasion en soirée à la délégation congolaise au somptueux hôtel 7 étoiles le Burj Al Arab pour lier l'utile à l'agréable. Un hôtel en forme de voile situé au bord de la mer et qui attire de nombreux touristes. Le dîner terminé, c'était le retour sur Brazzaville avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi et surtout celui de faire constater et dire aux hommes d'affaires, aux touristes et autres globe-trotteurs à destination de Dubaï que la Compagnie Nationale du Congo vous ouvre désormais les portes du Moyen-Orient. Le chemin d'un pays, de l'espérance à la prospérité. Bonjour, bienvenue chez vous. Merci Madame la DG. Installez-vous. Merci. Madame la directrice générale, merci de nous accueillir dans le cadre somptueux de la cabine du 757. Nous venons de réaliser le vol inaugural Brazzaville-Dubaï. Alors, une question s'impose. Équerre à Dubaï, autrement dit les couleurs congolaises au Moyen-Orient. Quel est votre commentaire après cette grande première? Mon commentaire, il est dans votre question. Quand vous dites les couleurs congolaises à Dubaï, c'est exactement ça. Nous venons de porter le flambeau du Congo à l'international. Depuis que notre pays existe, depuis qu'il est indépendant, aucune compagnie congolaise, de compagnie aérienne, n'a effectué une liaison entre le Congo et un autre continent que l'Europe, ou alors n'a fait des connexions autres qu'africaines. Donc pour une fois, notre pays fait un vol intercontinental, mais il le fait vers un nouveau continent, vers le Moyen-Orient. Et donc c'est une première. Je ne vais pas être trop grandiloquente, je ne voudrais pas dire historique, mais en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'il est relié directement au Moyen-Orient. Alors, que représente Dubaï pour Équerre? Je le dis parce que ça aurait pu être Doha au Qatar ou à Abu Dhabi, pourquoi pas. Mais pourquoi Dubaï? Dubaï, tout simplement parce que les chiffres nous indiquent que c'est la deuxième destination intercontinentale préféré des Congolais et aussi des autres passagers de la sous-région. Oui, ils vont de plus en plus nombreux à Dubaï, les Congolais. Ils vont de plus en plus nombreux. La première destination reste Paris, mais d'après les statistiques, ils vont beaucoup à Dubaï parce qu'ils ont des activités à Dubaï même, ou alors parce qu'ils utilisent l'aéroport de Dubaï comme point de départ pour entrer dans le reste du Moyen-Orient pour continuer sur l'Asie. Quelle sera la fréquence des vols sur Dubaï et avec quel type d'appareil? Nous allons faire 3 vols par semaine entre Brazzaville et Dubaï. Et on le fera avec l'avion dans lequel vous êtes actuellement, un Boeing de type 757-200. En fait, avec le direct Brazzaville-Dubaï, les Congolais n'auront plus besoin de l'escale d'Addis Abeba. Addis Abeba, en fait, est une escale comme une autre qu'ils utilisent. Les Congolais, comme les autres passagers de la région, utilisent divers moyens pour atteindre Dubaï. Ils passent soit par Addis Abeba, soit par Nairobi, par Kigali. Un vol direct est quand même plus avantageux. Je pense que maintenant, on leur offre au moins un choix qui est celui d'entrer directement dans un avion à Brazzaville et 7h30 après, atterrir à Dubaï, sans escale, sans correspondance. Quelle clientèle vous attendez dans ce vol? Nous attendons une clientèle assez diversifiée qui sera faite composée de commerçants qui vont à Dubaï pour acheter de la marchandise et venir la revendre dans la région, ou alors des businessmen, des personnes qui vont pour affaires, pour traiter des affaires, traiter des deals, ou on peut aussi avoir des fonctionnaires en mission qui sont en partance pour les Émirats Arabes Unis, ou alors pour une autre destination dans la région là-bas. Alors vous venez d'effectuer le vol inaugural, Brazzaville-Dubaï. Et quand comptez-vous démarrer avec l'exploitation à proprement parler? Nous allons commencer les vols commerciaux à partir du 31 mars. Et ce qui a eu lieu donc le 5 février, c'était un vol inaugural officiel pour amener la communauté aéroportuaire du Congo, les autorités du ministère des Transports,
à Dubaï pour rencontrer leurs homologues des Émirats Arabes Unis, faire connaissance, savoir que dorénavant Ecker va desservir cette ligne-là, il était important qu'on fasse un vol officiel. D'ailleurs, nous avons notre délégation a été menée par le ministre Gilbert Mokoki. Nous avons aussi eu le directeur général de l'ANAC, le conseiller au transport du président, le directeur général d'AERCO, celui de Congo Handling. Nous avons amené en fait le représentant de la SECNA également. Il était question d'amener en fait la communauté des transports aériens du Congo rencontrer celle des Émirats Arabes Unis. C'était un vol officiel. Et au cours de cette rencontre, qu'est-ce qui a été dit ou qu'est-ce qui a été décidé, enfin, en gros ? En gros, les deux pays sont contents qu'après avoir signé des accords bilatéraux sur le transport aérien, ils l'ont signé il y a un peu plus d'un an, que ces accords aient été mis en œuvre avec une compagnie de l'un des pays qui se rendent effectivement dans l'autre, qui créent une vraie liaison commerciale. Parce que les accords bilatéraux existent, mais parfois ils ne sont pas mis en œuvre. Dans le cas précis, ça a été suivi de la réalité, puisque la compagnie congolaise, un an après, décide d'exploiter une ligne commerciale sur Dubaï. Avant Dubaï, votre première destination à l'étranger a été Paris. Êtes-vous satisfait des vols Brazza-Paris ou Pointe-Noire-Paris ? Nous sommes relativement satisfaits. C'est vrai que quand on a commencé, nous étions très peu connus sur cette ligne. Les Congolais n'avaient jamais vu ça, une compagnie aérienne congolaise les transporter sur Paris. Mais nous avons prouvé que nous étions une compagnie qui faisait un service de qualité, qui travaillait selon les normes internationales, qui donnait aussi une identité congolaise au vol sur Paris. Et je crois que ça, ils ont beaucoup apprécié. De plus en plus, on a de passagers. Et on est beaucoup mieux connus sur cette ligne. Bon, vous êtes confronté, il faut le dire, à une rude concurrence, hein, tant sur les vols nationaux que sur les vols internationaux. Que faites-vous pour être attractif ? Nous nous battons. Déjà, nous faisons notre travail comme il faut. Parce que dans le transport aérien, il faut bien le dire, c'est déjà le plus difficile. Travailler selon les normes internationales de sûreté et de sécurité. C'est ce qu'Ecker fait depuis qu'Ecker existe, parce qu'Ecker a été créé par l'État congolais dans cet esprit. Avoir une compagnie aérienne congolaise qui travaille selon les standards et qui fait du transport aérien au Congo, mais comme ça se fait partout ailleurs dans le monde. C'est comme ça que nous faisons.